testé de chez Nux. Un sérum réducteur de pores, donc Aroma Perfection, donc tout type de peau, mix à grasse. Donc voilà comment il se présente et franchement il est cool, il fait bien son job. Bon bien sûr vous n'allez pas plus voir vos pores et tout, mais je pense qu'il aide pas mal. Et également j'ai pris un soin apaisant contour des yeux de chez Abel, parce que je sais pas si vous savez, mais moi j'ai vraiment les yeux, dès que je sors dehors ou dès qu'il y a du soleil, j'ai les yeux qui pleurent et après ça fait des croûtes, etc. Donc là je vous avoue que je m'en sers plus parce qu'en ce moment j'utilise de l'huile de ricin, du coup bah, ça nourrit carrément mes yeux, enfin mes cils et mes yeux du coup. Mais sinon avant je l'utilisais, il est vraiment top. Donc le petit problème c'est qu'il y a une mini quantité et il coûte assez cher. Donc voilà. Après bien sûr moi j'ai eu un partenariat avec le site, j'ai pas eu un partenariat avec les produits. Le colis m'a été envoyé vraiment très vite. Enfin franchement non, j'ai vraiment rien à dire. N'oubliez pas le code promo en barre d'infos. Bon, on va parler un peu de maquillage dans cette vidéo. Donc je me suis racheté mon éternel poudre, la Stay Matte de chez Rimmel en 0 transparent parce que voilà, je l'aime trop. Également je me suis acheté de chez MAC le Studio Finish Concealer. Donc voilà comment il est, enfin vous le connaissez. Pour 18€, il a 18-19€. Il n'a pas vraiment d'odeur. Et franchement il est trop cool. Je me suis acheté celui de chez Benefit là en pot. Et franchement je l'aime pas. Mais je l'aime pas du tout, il est trop gras. Enfin je sais pas, je trouve qu'il sert à rien. Que celui-là il est vraiment top pour son prix. Pour MAC franchement je le recommande 1000 fois. C'est pas moi qui me l'ai acheté, c'est une abonnée. C'est ce rouge à lèvres, ah, il est juste trop beau. Donc bah, une abonnée que j'ai vue au meet-up de Vivi, Johanna, Tatiana. Donc c'est le Ruby Woo de chez MAC. Voilà, il est trop beau. Franchement t'es juste folle. Là sur le coup j'ai oublié ton prénom, mais j'oublie tout le temps tous les prénoms. Mais voilà, je te remercie encore et c'est trop gentil. Également je me suis acheté mon rouge à lèvres préféré chez Kiko. Bon ouais je sais, il a une forme bizarre. Donc c'est celui que je porte actuellement. Comme dirait NJ Phoenix, c'est la couleur de mes lèvres mais en mieux. Un peu de street. Je me suis acheté cette casquette à Bruxelles au Nike pour 18€ parce que c'est une taille enfant. Donc moi mon kiff, les casquettes, c'est de les porter comme ça. Bon là, mes cheveux, voilà. Mais c'est de la porter à l'envers. J'aime vraiment beaucoup, c'est mon e-style. Après droite, voilà. Je n'aime pas trop. En plus vu que c'est une taille enfant, elle est relativement petite. Mais voilà, 18€, j'en cherchais trop une. Et sur internet, j'ai jamais trouvé. C'était genre 75€. J'ai dit c'est bon. Là, 18€ au Nike à Bruxelles. Trop bien. Ça, je l'ai acheté chez Forever 21. Il est trop beau. C'est un t-shirt trace moquette. Et je l'ai payé 14€. 14€ pour un petit t-shirt trace moquette. Il est trop beau. Voilà, j'ai acheté que ça au Forever 21. La bœuf inutile dans sa vie. Bon, je vous l'ai montré à l'envers, mais ça change rien. Donc je me suis acheté deux petits t-shirts, donc un comme ça, je crois il y en a, il coûtait 4€ et l'autre, bon là ils sont en envers, hein, 4€ et l'autre 5€, donc voilà il est trop cool. Et un comme ça, vous avez déjà dû voir, bon, pareil il est à l'envers, hein, on m'excusera. Et il est trop beau, j'aime trop la matière. Donc c'est deux articles au Primark à Bruxelles. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais à un moment je suis partie sur Paris pour faire un shooting avec la marque Norphil. Donc je vous avais posté les photos, il y avait un code promo et une vidéo au Chief of the Day avec Phoebe. Donc c'est cette veste, enfin ce manteau plutôt. Donc voilà, que dire de plus, je l'aime vraiment trop. Il est vraiment trop beau, avec une capuche bimatière un peu velours sur le dessous et un peu imperméable au dessus. Bon certes là il commence vraiment à refaire beau donc je peux pas la mettre. Enfin quoique là il commence à... on a perdu 10 degrés, enfin bref. Mais je l'aime trop, même pour l'hiver prochain, c'est un truc qui se démode jamais. Et voilà, je l'aime trop. Des lunettes de soleil, car j'avais des Ray-Ban depuis 2-3 ans. J'avais besoin de nouvelles lunettes de soleil, donc voilà. Ça fait vraiment mouche hein, sur moi. En fait, j'aime bien, mais si genre on doit me prendre en photo ou même en vidéo, je trouve que ça rend pas terrible. Mais en vrai, j'aime bien. Donc c'est des lunettes de la marque Max Mara. Voilà, enfin c'est ma mère qui me les a payées, elles ont coûté genre 173€ il me semble, c'est très cher. Mais j'ai les yeux tellement sensibles que je préfère acheter une seule paire de lunettes de soleil et puis voilà, être sûre que mes yeux soient vraiment bien protégés. Voilà, c'était mon cadeau de Pâques.
Et enfin voilà, je les aime trop. Donc je vais déjà vous parler de la marque Snap Made, la marque c'est ça. Donc en fait c'est un site, comme vous voyez la pub à la télé, genre Sharkinator, non ça se dit pas, je sais pas comment ça se dit, mais vous savez, création de t-shirts, etc. De toute façon je vous mettrai des inserts du site, etc. Mais en gros c'est un site où vous pouvez créer vos t-shirts, vos coussins, vos machins, enfin une multitude de choix. Et donc c'est un partenariat, c'est eux qui m'ont contacté en plus, et enfin j'ai trop aimé. Donc ce que j'ai trop aimé c'est que quand vous allez sur un site genre classique, enfin, ceux que j'ai pu tester, je me dis bon je vais me faire personnaliser ça. Mais en fait plus tu rajoutes des éléments, des fonds, des photos, des trucs, plus le prix il augmente. Que là, genre le t-shirt c'est 18€, tu mets une photo, 40 photos, c'est 18€. Et j'ai trouvé ça mais trop cool, je sais pas vous. Du coup voilà, je me suis fait plaisir, mais vraiment plaisir. Donc tout d'abord je me suis fait un sac, donc bah oui tout, j'ai créé tout hein. Voilà, pour me faire un peu de pub, Be Original is Better. Donc voilà, un espèce de tote bag et je l'aime trop. Sachant que j'avais 50€ sur le site, mais j'ai rajouté 7€ de ma poche parce que je voulais vraiment tester 3 produits. Donc également je me suis pris un t-shirt. Donc ça c'est le modèle pour homme hein, parce que moi j'aime bien quand c'est col rond. Donc c'est le modèle pour homme, donc j'ai dû le prendre en S. Ouais, en S. Et en fait je l'ai personnalisé en mode Big Flo Oli. J'ai écrit je préfère avoir peu de vécu que de m'inventer une vie. Donc c'est une de mes phrases préférées de Big Flo Oli. J'ai mis une petite photo de concert où j'étais à Metz. Et puis j'ai mis leur petit logo. Enfin voilà, je trouve ça cool. Je sais pas, quoique. Moi je serais capable de le porter même avec une jupe, un truc comme ça, en pantalon ou en pyjama tout simplement. Et je me suis fait un coussin. Alors moi, un peu blonde, vu que le site est en anglais, je pensais que le coussin j'allais le recevoir comme ça. En fait non, j'ai reçu juste la housse de coussin. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé un coussin et que j'ai mis de la housse. Bon, c'est pas très bien mais... Ouais en fait c'est... Enfin c'est un peu évident en même temps que j'allais... Enfin, que j'allais pas recevoir un coussin. Du coup j'ai reçu une housse de coussin, donc je l'ai personnalisée. Donc j'ai pas dit mais on peut personnaliser le devant, de l'arrière, donc voilà. Donc moi bah, j'ai fait Be Original is Better avec les petits trucs YouTube et tout. Enfin voilà, que dire de plus, la livraison ça a été relativement rapide. Ça a mis 12 jours. Enfin sachant que quand je fais la vidéo je les ai déjà reçus avant-hier. Donc ça a mis 11 jours. Sachant qu'ils doivent les créer et que ça vient de Chine. Certes ça puait. Le t-shirt il sentait vraiment les produits chimiques et tout. Mais le reste franchement nickel. Enfin j'ai tout lavé quand... Enfin j'ai pas lavé le sac. Mais bon le sac il sent rien. Mais j'aime trop, enfin je sais pas, ça peut vous faire un truc personnalisé et tout. Je pense peut-être en refaire pour vous offrir des t-shirts ou des trucs comme ça, ou je sais pas. Je vais réfléchir, je vais voir avec la marque. Et ouais, enfin je trouve ça vraiment trop cool. C'est vraiment pas cher, la qualité est vraiment là comparé au site classique qu'on voit partout, ou que plus tu rajoutes des trucs plus tu payes, je trouve ça vraiment inadmissible. Donc là ça vient de Chine mais ça a été vraiment rapide et franchement la qualité. Honnêtement quand ils m'ont proposé le partenariat, j'ai été voir le site, je me suis dit ouais et tout machin. Et du coup ce que j'ai fait c'est que vu que j'ai commandé et que j'ai payé de ma poche, j'ai également pu tester le paiement quoi, bon sur 7€, mais c'est quand même 7€. Et franchement ça s'est super bien passé, en plus on peut payer par PayPal, donc ça c'est un point vraiment à ne pas négliger. Et enfin voilà, toutes les informations sur le site ou si vous avez des questions seront en barre d'infos. Mais peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce site quoi. On peut faire des tasses, des coques de téléphone, vraiment une multitude de choses. Et enfin je sais pas, je trouve, enfin j'aime trop.